Le prince William et le prince Charles arboreront des visages courageux au retour du prince Harry et de Meghan Markle pour les prochaines célébrations du jubilé de platine, a affirmé un expert royal. Le prince Harry et Meghan Markle rejoindront la famille royale lors des célébrations du jubilé de platine de la reine au début du mois prochain. Leur présence survient au milieu de spéculations sur les tensions entre le prince et son frère, le prince William, et son père, le prince Charles. Le mois dernier, le duc et la duchesse de Sussex sont retournés au Royaume-Uni pour la première fois ensemble depuis leur sortie de choc. Lors de leur escale à Windsor, le couple a rencontré Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, et plus tard, la reine. Harry n'a pas eu l'occasion de voir son frère lors de sa visite éphémère car William et sa femme, Kate, duchesse de Cambridge, étaient en voyage de ski en famille en France. Les frères ne se sont pas vus depuis juillet de l'année dernière, lorsqu'ils ont dévoilé une statue de leur défunte mère, Diana, princesse de Galles. Le duc de Sussex a ravivé les informations faisant état d'une rupture entre les princes lorsqu'il a esquivé une question lui demandant si son père et son frère lui manquaient lors d'une interview le mois dernier. Au lieu de répondre à la question, Harry a dit à Oda Kotebe de NBC qu'il se concentrait sur les concurrents aux Jeux Invictus. Cela est venu après des informations selon lesquelles la rencontre de Harry avec Charles avait été énervée. Point, point. Maintenant, Camilla Tomaine, rédactrice en chef adjointe du Daily Telegraph, a affirmé que Charles et William présenteraient des visages courageux lorsqu'ils retrouveraient les Sussex le mois prochain. S'exprimant lors du Royal Insight, une série de vidéos animées par Madame Tomaine, jeudi, elle a déclaré, le prince Charles, les seules émotions qui ont été utilisées par lui ou son peuple sur la façon dont il a réagi à des choses comme l'interview d'Oprah était la tristesse plutôt que la colère.